Restez avec nous. Et puis alors surtout, il y en a tous les crétins devant la télé là, qui ont 30 ans là, aujourd'hui. Et ceux qui sont dans la salle là, et qui ont regardé le Club Dorothée, ils sont où là? Les crétins qui ont regardé le Club Dorothée et qui chantaient Bioman. Mais tout le monde debout, allez, 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 parce qu'il est là pour vous ce soir. Bernard Minet, Bioman. Oh, je veux les voir, je veux les voir. Bonsoir. Yes, c'est parti. Oui, oui, oui. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Chantez. Bioman, Bioman, défenseur de la terre, comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune et bleu. Bioman, Bioman, héros de l'univers. Relève le bras. Les forces du mal super, divine sidérale. Bioman, Bioman, tu sauras les briser. On va vers des aventures qui préparent notre futur. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Beaucoup d'hommes rêvent d'avoir ton courage, ta force, ton savoir. Bioman, Bioman, héros de l'avenir. Personne ne pourra y aller. Ta vaillance t'a démérité. Bioman, Bioman, reste dans nos souvenirs. Symbole de paix, justice et liberté. À vous, à vous. Bioman, oui, oui. Bioman, défenseur de la terre. Tu t'en vas vers des aventures qui préparent notre futur. Bioman, Bioman, défenseur de la terre. Tout le monde, moitié, moitié. Oui, oui. Le plus valeureux du héros. Bioman, Bioman, héros de l'univers. Monsieur Bernard Minet pour les nostalgiques. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas un message extraordinaire dans la chanson, mais c'est une petite madeleine, comme ça on est là pour ça. Viens, merci. Viens mon Bernard, on va passer toute la soirée d'ailleurs à monter le curseur d'un hall, redescendre comme ça, on va se balader entre des choses légères, des choses plus profondes, particulièrement ce soir. Merci mon Bernard d'être là. Eh bien, merci. Combien à de toi. Temps avec les musclés? Avec les musclés, beaucoup d'années. On a commencé en 87 au Club Dorothée. Nous avons terminé au Club Dorothée en 97. Ouais. Mais on continue de temps en temps. Notamment, nous avons commis Nicolas et Ségolène en 2007. Oui, exactement. Et puis, avec plaisir. Et puis, t'es en tournée? Oui, bah, perpétuellement. En Suisse, en France, en Belgique, avec ton spectacle. Voilà, on essaye de... Tu les rencontres dans la rue, les mecs là, de 30 ans là, qui te disent « Oh, mais je vous ai connu, j'étais tout petit bah, !» Bien sûr, mais c'est magnifique. C'est toujours tendre. Hein. C'est très tendre. C'est le bon mot. Il y a beaucoup de tendresse, il y a de l'amour. Et puis moi, je les aime beaucoup. L'enfant, c'est toujours tendre. Exactement. Et alors, tu as une qualité exceptionnelle que j'ai aussi, avouons-le, qu'a aussi Salvatore. On n'a pas grandi, je crois, finalement. On est resté petit, hein. Mais dans notre tête, oui, absolument. C'est les autres qui nous voient. C'est le propre des artistes. Grandissez pas. Oui, puis jamais. Jean Ferrat avait dit, on ne guérit jamais de son enfance. Très bien, tu as des belles références. Oui. Et Saint-Exupéry. Ouais, ouais. On est pour toujours du pays de son enfance. Et Saint-Exupéry a dit des très belles choses, hein. Saint-Exupéry a dit « L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Ça, ce n'est pas l'amour, c'est la levrette. Et aujourd'hui... J'attendais la chute. Je craignais la chute. Aujourd'hui, l'amour, c'est regarder ensemble la même émission. Exactement. Merci, mon Salvatore. Et regarder ensemble quelque chose qui va être formidable. Il y a un titre en ce moment